いただきます。Yo bande de Fennec, c'est Nova Star entendu pour une nouvelle vidéo unboxing, mais pas que unboxing, oui, parce qu'aujourd'hui il y aura de la dégustation, puisqu'il s'agit de la Fuji Box. Alors la Fuji Box, qu'est-ce que c'est? C'est une box à 20€ qui provient du Japon, faite par Hightech, donc sur le même site que box.hightech.fr, vous avez tout dans la description, avec évidemment à bouffer à l'intérieur. Alors ça peut être du sucré, du salé, on ne sait pas, grosse surprise, c'est celle du mois de janvier qui est en retard. Alors je vous montre un petit peu l'histoire qu'il y a. La box a été envoyée le 21/01/2016 et je l'ai reçue vendredi, soit le 19. Alors j'ai ouvert la boîte pensant qu'il y avait une autre boîte à l'intérieur, mais en fait non, tout est en vrac dedans, je vais vous montrer. Pour le contenu, il y a marqué qu'il y a 12 bonbons d'une valeur de 1700 yens et un jouet d'une valeur de 100 yens. 100 yens qui fait un peu moins d'un euro, donc ça fait pour 1800 yens, ça fait à peu près dans les 15€ je pense. Donc la box coûte 20€ et il y a à l'intérieur pour 15€. Bon, je vous cache pas que je suis un petit peu pressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc je l'ouvre en même temps. Voilà, donc comment c'est présenté à l'intérieur, c'est tout simplement... on a le petit papier Fuji Box avec, je pense, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, c'est impacté dans... voilà, comme ça. C'est en vracouze. Voilà, donc on va voir ensemble, ma foi, ce qu'il y a et est-ce que c'est bon. Bon, alors je vous cache pas non plus que j'ai quand même préparé un petit verre de Coca-Cola Zéro et bien entendu de l'eau de source, voilà, pour mes sponsors bien sûr, très important, au cas où ce soit dégueulasse et que j'ai besoin évidemment de d'enlever ce goût ignoble. On va peut-être quand même utiliser le papier, parce que si tout est écrit en japonais dessus, ça va être compliqué de savoir ce que c'est. Donc apparemment, les jouets qu'ils vont mettre à l'intérieur chaque mois, ça sera des gachapon. Donc vous savez, c'est les petites boules avec à l'intérieur, les petits jouets, quand vous savez, vous mettez la pièce, vous tournez le truc et ça tombe. Donc pour le mois de janvier, c'était spécial Pokémon. Donc on va sûrement avoir un Pokémon. Mais tous les mois, apparemment, il y en aura un sur le thème de la box. Alors commençons. Premier truc, ce sont des chips. On dirait des chips corn potage. Qu'est-ce que... Alors apparemment, je dirais apparemment ce n'est plus bon. Voilà, c'est périmé. Mais non, parce que la date est en fait à l'envers. C'est la magie du Japon. Donc je prends le petit papier qui me dit ce sont des corn potage. Oui, donc ça j'avais bien compris. La soupe de l'hiver préférée au Japon en version snack. C'est pas à mettre dans ta soupe en fait. C'est pas genre des croutons. C'est ce sont des chips goût soupe. Ça sent les céréales. Bon, on y va. C'est pas mauvais, mais ça a un goût de... On dirait que vous mangez des Kellogg's salés. Des Kellogg's salés. Ça fait vraiment salé sucré. On a le goût du vraiment du... Vous voyez les avec le tigre là, les Frosties. C'est un petit goût de Frosties avec un arrière-goût de salé style oignon, herbe, je sais pas trop. C'est assez bizarre. Et étrangement, le goût n'est pas le même en fonction de celui que vous allez manger. J'ai l'impression qu'il y a plus ou moins de goût de salé ou de sucré selon sur lequel vous croquez. C'est pas ouf. C'est pas immonde, hein, mais c'est vraiment bizarre. On va quand même boire un coup. Donc c'était les chips goût potage au maïs. Deuxième objet du coup, ce sont des... Ah, du Pookie Panda! Cette boîte magnifique, donc ce sont des Mikado. Elles sont vachement mignonnes, leur boîte. Très kawaii. Et donc derrière, on a un petit panda à colorier, je pense, pour les enfants. Donc apparemment, c'est goût au goût et au goût. Donc il y a deux goûts, bigoût. Heureusement que nous avons la feuille traduite en français. Donc ce sont des Pookie Panda
au goût cookie and cream. Les pookies ressemblent au Mikado que l'on connaît chez nous. Donc c'est à la crème et au cookie. Donc voilà, à l'intérieur il y a un second sachet, bah, comme chez nous en fait, hein, tout simplement. Et donc voilà, les pookies panda. C'est bizarre, la couleur du bâton du Mikado, elle est, c'est foncé. Ça sent le lait. Ça fait pas très naturel comme goût. C'est très peu sucré. C'est vraiment pas beaucoup sucré comparé au Mikado classique chez nous, au chocolat. On sent très très peu le goût sucré. Ça, je sens le goût de la crème, mais le cookie, non, définitivement ça n'a pas le goût du cookies. C'est pas mauvais pour le coup, manger quelque chose comme ça qui, on sent vraiment pas trop le goût du sucre. C'est meilleur parce que ça nous donne beaucoup moins soif que quand on mange des Mikado finalement. C'est plutôt sympathique, j'aime bien. On continue donc, troisième objet. Qu'est-ce que c'est? Encore des chips. Des chips à la grenouille. Non, j'en sais rien en fait. Il y a Captain Police, police en chef grenouille. Donc Monsieur Grenouillard qui apparemment dirige une main de maître tout cela. Et donc ça s'appelle du Kayabestutaro. Alors Kayabestutaro, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites boules de maïs parfumées à l'algue, adorées par les enfants. Ma foi, si les enfants aiment, tout le monde aime. Ouais, ben ça reste à voir. À l'odeur, ça sent pas mal les épices. Ça fait comme les biscuits apéro, un petit peu salé, quoi, les petites boules là, maïs. Mais après, à l'algue, c'est bon, hein. Ouais, mais une fois que j'aurai ouvert tout ça, je crois que ce soir il va y avoir un apéro surprise, hein, parce qu'il va falloir les bouffer toutes les chips. On continue donc. Je me tape un petit salé sucré depuis tout à l'heure. Je vous raconte pas le truc, hein. J'ai les papilles, elles savent plus donner de la tête. Et donc l'objet suivant me fait un peu peur. Oui. Il me fait un peu peur simplement parce que je vois des trucs qui ont pas l'air forcément mauvais, mais avec poulpi. Poulpi le poulpe, donc apparemment ce sont des... Je ne sais pas, il y a des bouts de poulpe dedans. Qu'est-ce que... Des boulettes avec des pattes de poulpe. Alors qu'est-ce que c'est les amis? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des takoyaki do it yourself. Voici un kit permettant de faire vos petites friandises vous-même en suivant différentes étapes. À la base, le takoyaki est un mets à base de pâtes et de morceaux de poulpe. Et ils nous ont mis le tuto à disposition à cette adresse. Bon, allons-y. J'espère que c'est pas trop compliqué. C'est une vidéo. Ah. Et il y a marqué takoyaki powder. Donc ça, c'est la poudre pour les tokoyaki. Ensuite il fait comme ça et il y a marqué mayonnaise. Alors ce qui est étrange, c'est que c'est de la mayo en poudre. J'imagine que c'est pour la conservation, mais c'est bizarre les japonais quand même, avec la déshydratation et les trucs en poudre. Tout ce qu'ils mangent c'est en poudre. Est-ce que tu crois qu'ils font la viande en poudre? Oh. Gros délire. Ensuite ça, c'est la sauce en poudre. Oui, en poudre. Puis il y a le poulpe en poudre. Oui, toujours en poudre. Et bien entendu, on a le pic et la cuillère qui vont nous servir certainement. Le tout accompagné du moule. Du plateau. Du plateau moule. Alors en fait, je crois que vous allez devoir les faire là-dedans. Et là, vous mangez dedans. Je ne sais pas. On va le garder de côté. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, eh ben, on ferait un petit tuto filmé avec le téléphone portable, genre fabrication. On continue donc et nous piochons. Oh, Motus. Comme dans Motus, nous piochons la boule noire. La boule noire. Donc, c'est le gachapon. Donc, le petit, la petite boule que vous avez dans les machines. Avec un jouet à l'intérieur au hasard. Donc, ce mois-ci, comme je le disais, c'était sur le thème de Pokémon. Du coup, on a une Pokéball avec à l'intérieur, j'imagine, un petit Pokémon. Alors, il faut vous dire d'abord qu'il y a du scotch sur les côtés. C'est l'angoisse internationale à le défaire. Surtout quand on n'a pas d'ongles. C'est en train de m'énerver. Putain, le scotch japonais, il tient bien, hein. Et donc, attention, qui nous avons? Nous avons eu... On sait pas. Pikachu? Un Pikachu vert. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il est vert? Il y a une histoire. Je crois qu'il y a une histoire. Il y a une histoire de couleur. Je sais pas si, voilà, ceux qui comprennent. Il y a une histoire de couleur, je crois, parce qu'il y en a 4 différents. C'est reparti donc, prochain objet de bouffe, bouffon. Ce sont des petites crottes de caniche.
petite crotte de caniche emballée dans son sachet hermétique pour la conservation. Non, bien entendu, ce n'est pas ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et alors, bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, ce n'est pas sur le papier que j'ai. À moins que ce soit peut-être les mini Calinto, ça ressemble un petit peu, on dirait ça. Gâteau apéritif traditionnel japonais au bon goût d'amande. Sauf que moi, elles sont au chocolat. Je ne sais pas. Alors, en plus, comment vous dire, je peux même pas m'aider. Parce que derrière, c'est pour moi, c'est une langue qui m'est inconnue. Ça a pas l'air appétissant vu comme ça. Oh là là. Ça sent la friture. On dirait une sorte de churros trop cuit. En fait, c'est pas du chocolat qu'il y a autour, hein. C'est que du grillé, c'est que du sucre en fait. C'est vraiment le goût de la fête foraine. Vous savez les trucs que vous mangez à la fête foraine, ces trucs frits que vous pouvez prendre dans les baraques. Ben, c'est exactement ce goût-là. Je pense que c'est du sucre caramélisé tout simplement. Et pour faire des petits trucs comme ça. C'est pas mauvais. Par contre, je pense qu'il faut pas être au régime pour en manger, parce que le sucre au sucre, ça fait beaucoup de sucre. Si vous êtes diabétique, oubliez ça tout de suite. Bah pour le coup, je vais boire un peu de sucre pour faire passer. Voilà, vous comprenez, c'est une technique ancestrale. Sacré box, il y a encore à bouffer là-dedans. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Des enfants qui jouent de la musique. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce sont des dondonyaki, omelette traditionnelle dans une forme beaucoup plus pratique à déguster. En effet, il s'agit de crackers qui reprennent cette saveur typique. Les Japonais sont fans de ça, de récupérer des plats et de mettre le goût de ce plat dans n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez manger des gâteaux goût omelette, comme des chips goût omelette, comme de la soupe goût omelette. Tout ça grâce au, bien sûr, exhausteur de goût et aux arômes artificiels. Donc c'est sous cette forme. Mais ça sent les mêmes épices que le truc pour les enfants. Mais bon, mais je trouve pas le goût d'omelette. C'est un goût de sauce tomate un peu acide. C'est pas mauvais. Je trouve que ça fait double goût. Il y a ce petit goût salé, et du coup, pas le goût du. Cette acidité qui revient. C'est quand même pas mauvais, mais je ne sens pas le goût de l'omelette traditionnelle. Ensuite, nous avons une boîte. Une boîte. Pikachu! Une boîte Pikachu. Donc, apparemment, ce sont des nouilles. On peut collectionner des boîtes, apparemment. D'ailleurs, plusieurs boîtes différentes, et on peut les collectionner. Et donc, c'est une coupe de nouilles Pikachu. Donc, des nouilles instantanées Pikachu au goût soja. Alors, évidemment, je vais pas les manger devant vous. Vous savez comment ça fonctionne, les nouilles. Vous mettez votre eau chaude à l'intérieur, vous attendez 3-4 minutes, et vous y allez, vous mangez comme ça. Vous avez la sauce, normalement, en sachet à l'intérieur, que vous ouvrez, et vous mettez dedans, vous mélangez. Donc, je pense pas que ce soit des nouilles particulières. C'est juste qu'il y a le petit bol Pikachu, quoi, en gros. Goût soja. Donc on peut en acheter chez nous dans les grandes surfaces. Suivant, donc nous avons un Kit Kat. Voilà, avec des choses écrites, certainement très importantes. Toujours bien sûr la phrase accroche de Kit Kat. Donc ce sont des Kit Kat à... Ah bah c'est les premiers, patates douces. Kit Kat, patates douces. Ce mois-ci, voici le Kit Kat à la patate douce que vous devez passer au four avant de déguster. Passez-le une heure au congélateur, puis 2 minutes au four, jusqu'à coloration. C'est parce qu'en réalité, voilà, c'est censé devenir doré après. Du coup, je le ferai en même temps que je ferai la préparation. Comme ça, je vous montrerai les deux. Ah, mais ils en ont mis deux. Au cas où on foire le premier, on a quand même le deuxième. On continue donc avec... Avec du Biohazard tablette. Donc des tablettes Resident Evil. Nous avons les pastilles bleues et les pastilles rouges. Donc tablettes Resident Evil, des petits bonbons au sucre inspirés de Resident Evil qui colorent votre langue. Donc il y a rose ou... Enfin rouge ou bleu. Oh, très très bien, c'est japonais, regardez. Il y a une fois qu'on l'a ouvert, il y a après un zip dessus pour pouvoir le refermer et garder toutes les saveurs. Ouh là là, ça sent le colorant chewing-gum, hein. Ça sent le colorant chewing-gum, donc voilà, ce sont des petites tablettes. Prenons une bleue. Le rouge, il est un peu rose, hein. Mais bon. Mais c'est un goût de chewing-gum, donc je devrais normalement avoir la langue bleue. Mystère et suspense. Attention. C'est magnifique. Oh.
Et on continue donc parce que non, ce n'est pas encore fini. Il reste encore des choses. Ce sont des sucettes, je crois, des sucettes au chocolat. Choco Pico-chan. Deux sucettes au chocolat avec la mascotte Pico-chan, célèbre dans tout le Japon. Putain, je connais pas. En plus, vous avez vu, c'est en forme de cœur. Vous pouvez l'offrir à votre amoureuse et, ou à votre amoureux. Et chacun manger l'autre. Mangez-vous. C'est une sucette au chocolat. Bon, mais maintenant, il faut attendre que je finisse ma sucette. Puisque, bon, je vais pas la jeter. On approche de la fin. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça? Un œuf? J'en ai un? J'ai pas la boîte avec, j'ai un bonbon. Ah, merci. C'est du Gudetama Choco. Donc chocolat en forme d'œuf au plat. Donc c'est du chocolat en forme d'œuf au plat. Alors apparemment ça doit être dans des grosses boîtes où ça doit être vendu à l'unité. Peut-être pour ça que j'en ai qu'un seul. Donc bah, ça se décapsule. Mais franchement, emballer ça un par un, ils sont sérieux les Japonais ou quoi? Vous imaginez pour ça de chocolat, il y a tout le packaging qu'il y a en plastique et tout. C'est déconné quand même ça. Il y a plus de matière, il y a plus de plastique que de chocolat. C'est du chocolat blanc, c'est pas ouf. Ça a quand même un arrière-goût chimique, pas mauvais mais... Donc le chocolat que j'ai mangé précédemment avec la sucette était bien meilleur que celui-là. Et donc dernier objet pour finir cette box, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien le dernier objet. C'est un bonbon. Un bonbon au poulpe encore? C'est sérieux ou quoi là? Chouwabo Cola. Un bâtonnet chewing-gum orange citron avec un cœur en poudre pétillant au cola. Mais ça fait beaucoup de pétillant tout ça. Ça sent fort le sucre et le chimique. Effectivement. Ah, la poudre à l'intérieur, ça pique. Le goût est pas top. Ah, il faut bien refermer après parce qu'en fait, dedans, il y a vraiment de la poudre. Si vous le laissez ouvert, vous pouvez vider la poudre. Dit chewing-gum, mais c'est pas un chewing-gum en fait. C'est... Vous savez ces petits bonbons carrés qu'on a chez nous aussi. De différentes couleurs, il y a cassis, framboise, etc. C'est mou. Et bah, vous l'avalez après quoi. Donc... vous êtes plantés les gars, c'est pas du chewing-gum. C'est un bonbon. Qui pique. Bon, du coup, comme je vous l'avais dit, on va passer à la petite séance préparation. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec la caméra, voir si j'arrive un petit peu à vous filmer la cuisson et la dégustation du Kit Kat, et en même temps la préparation des petites boules de poulpe. Mettez vos tabliers, on est parti.
Bon, ben nous voilà de retour après cette longue préparation. Ça sent pas super bon. Je vous le cache pas, les odeurs ne sont pas génialissimes. Je vais donc en goûter un et vous dire ce que j'en pense. Bah, ça a pas de goût, en fait. Ah, oh, c'est immonde. Ah, cette mayo. En fait, ça a que le goût de la mayo. Le reste, on dirait du sort de plastique que vous mâchouillez. Ah, c'est pas bon. Ah, ça a le goût de mayo artificielle, pire que celle de McDo et Quick. Oh, c'est vraiment pas bon. C'est tellement dégueu qu'il faut que je fasse goûter ça à ma soeur. Vraiment. C'est ça, on fait des petites boulettes avec sauce barbecue et j'en ai mangé un déjà. Moi j'aime. Attends, moi j'aimerais, j'en ai déjà mangé un, alors tu peux y aller, je pense. Je suis pas mort! C'est lui que tu veux, on s'en fout. Mais prends un peu de mayo, c'est de la mayo qu'as-tu? Non, ça n'a pas le goût de saucisse. Ah, c'est pas bon. Et en fait, ça n'a pas trop de goût. Mais c'est la mayo qui est pas bonne. Hein. Non, c'est pas bon. Bon, et pour le coup, je sais pas trop si c'est Japon, parce que c'est tout artificiel dedans. C'est que de la poudre avec de la poudre. C'est pas très bon en goût. Disons que la pâte n'a pas de goût et que la mayo autour est immonde. Acide, vraiment. J'ai l'impression de manger une centrale nucléaire. Et du coup, on passe au second. Donc, c'est le Kit Kat à la patate douce. Voilà. Donc, je l'ai mis au congélateur pendant un peu plus d'une heure. Et je l'ai mis au four pendant 2 minutes à 180 parce qu'il n'y a pas marqué la température. Donc, je sais pas. Donc, ça a commencé à fondre un petit peu. Et après, ça a un petit peu commencé à griller. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va arrêter là, je sais pas trop. Chocolat blanc Kit Kat. Et c'est un arrière-goût de pomme en fait. Vraiment bon, je m'en lèche les babines. Et bien voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette box? Moi, c'est ma première box dégustation que je fais. Et bah, c'est plutôt sympa. Ça change un petit peu d'avoir des trucs un petit peu différents à faire. Et là, pour le coup, il y a des trucs plutôt bons. Donc, je vais pas me plaindre. Alors, je m'attendais peut-être à plus de fantaisie. Ouais, plus. Vraiment que je sois plus étonné, plus dépaysé. Avec des trucs vraiment hors du commun. Genre des goûts, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Là, finalement, c'est pas mauvais dans l'ensemble. Mais. Il n'y a rien de surprenant quoi, ça a des goûts un petit peu épicés, un petit peu salés ou quoi, mais pas non plus, c'est pas ouf quoi, c'est des bonbons, c'est juste que voilà, on va avoir des bonbons en forme de Pikachu et des bonbons en forme de machin qu'on n'a pas chez nous, mais après sinon ça reste un bonbon quoi, c'est du sucre. Donc je ne sais pas ce que ça donnera pour la suite, mais là c'est la première box, donc celle du mois de janvier, je n'ai pas pris celle du mois de février parce que du coup comme il y avait du retard pour la réception de celle-ci, j'ai préféré attendre un petit peu, et du coup bah, le temps que j'attende, la box de février a été en rupture de stock, apparemment c'est sur DBZ, je crois que c'est pour ça que c'est beaucoup vendu, les gens voulaient du DBZ. Et donc j'ai pris celle de mars. Donc je sais pas quand c'est que je la recevrai, puisque du coup ils ont changé un petit peu leur délai de livraison, d'envoi et tout. En tout cas, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à me dire si vous en voulez plus dans ce style-là, plus de dégustation ou quoi. Ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vraiment c'était nul. Genre oui mais toi tu goûtes, mais nous on sait pas le goût que ça a, alors c'est de la merde, on sait pas. Voilà, faites-moi part de vos avis. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et aux réseaux sociaux qui sont dans la description. Moi en tout cas d'ici là je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.